Salam alaikum. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue chez Mandel cette journée. Aujourd'hui, je vous présente une recette de beignets très, très, très facile et très bon. En fait, avec seulement deux principaux ingrédients. Alors, je vous présente deux recettes. Une recette où il y a des œufs et du lait, et l'autre recette où il n'y aura pas d'œufs et il n'y aura pas aussi de lait. Et c'est vraiment bon, bon, bon pour le petit déjeuner ou les goûters. En plus, pour le ramadan, c'est très bon lorsqu'on coupe à la coupure. Vous prenez ça avec votre café au lait. C'est vraiment délicieux. On y va. Nous avons fait une recette de nous. 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 Nous avons fait recette de nous. Nous avons fait une recette de nous. Nous avons Alors, pour la première recette, vous avez vu au début de la vidéo, j'ai mélangé l'eau et le lait, puis je vais le chauffer au micro-ondes. Ensuite, j'ai filtré la farine et j'ai mis un peu de sel. Donc, si vous voulez commencer ma vidéo, je vais dormir avec mes mains, je vais tanguer ce micro-ondes. Après, je vais faire le levure pour le levure. Après, je vais faire le tamé, je vais faire la farine, après, je vais faire le Donc voilà, j'ai mis la levure dans l'eau et l'ai chauffé pour que ça dilue. Sur la farine, j'ai rajouté 2 œufs et le mélange de l'eau et de lait plus la levure. Ensuite, je mélange. Avant, j'avais mis un peu de sel aussi, donc là, je mélange. Donc, ak meu ak levé bima sot ke ci fariñ bi fekk def na ci ñaari nen li dama koy jéx masalé ko jéxna ici j'utilise une grande fourchette pour bien mélanger la pâte et je travaille la pâte jusqu'à que la pâte soit liquide mais en fait ça va pas être trop liquide ça va pas être l'épais ça va être un peu moyen pour que les beignets soient bien moelleux à l'intérieur légui gis ngeen pâte beigné bi damay jël forcette lay jël bu ngandé ma jéxé koko après pat bi nak worul ki worul dang worul worul oyof trop ci digg bi rek la wara mëna nek ndax suko défé beñ bi ci biir day neex tu vois ndax su dangé beñ bi day wow su liquidé trop da fay ndoxé quoi donc da ngay bay da so ñëw ba nga sentir ni nek na ci digg bi rek tu vois dangul oyo fo rek nga xamni baxna su ko defé sa beñ day neex après dang koy tégué côté su ko defé nga bayiko presque 2 heures de temps après mu jog day levé wu tu vois après fo laisser la pâte se lever au moins 2 heures de temps à côté dans un endroit un peu chaud légui dang koy tégué côté quoi su ko tégué côté rek fo xamni dal sédul waye tamit tangul jep su ko defé rek affaire bi day jog ñaari waxtu rek même pas des fois affaire bi day ciok su ciogé rek nga xamné baxna rek nga ñew dafa say beñ légui nak damay demal dafa len benen pat bi nga xamné man na ko sama loxo la koy defaré tu vois te fo bobu nak mom duma ci def nen te duma ci def mew donc je vais vous montrer une autre façon de faire cette recette des beignets où je vais utiliser ma main aussi je mettrai pas d'œuf et je mettrai pas de lait et c'est les mêmes c'est trop bon. Voilà pour la deuxième recette. Comme je vous disais tout à l'heure, ici j'ai oublié de filmer la vidéo en fait. Mais ce mélange, c'est juste de l'eau chaude avec la levure diluée plus un peu de sel. C'est juste ça en fait. J'ai dilué la levure dans l'eau chaude chauffée au micro-ondes. Puis j'ai rajouté un peu de sel en fait. Voilà. Et puis je mélange, je mets la farine. Et je mélange avec ma main jusqu'à obtenir une pâte ni trop épaisse ni trop liquide. Ensuite, je vais laisser à côté lever avec l'autre farine pour 2 heures de temps. Gis nga fi nak dama ko fatte filmé nak mais mélange bi yomb na dama tangal ndox def ci levure bi jekk ko bu mu mélanger wu après ma def ci xorom. Après nak ma yok ci farine bi djel sama loxo mélanger ko djex ko ba pat bi nga xamni degeurul oyoful ci digënté bi la nek après ma tek à côté
ak benen farine bi baye ko buma levé wu pour 2 heures de temps ñaari waxtu rek après ma def defar beñi lolu ka salam la. Alors s'il vous plaît, si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne Ma Délicieuse Journée, s'il vous plaît, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos qu'on vous mettra sur cette chaîne, puis aimer, commenter et partager, s'il vous plaît. Dilen ñaan ngir yalla su fekke yeen nga sokam ñew dugg ci vidéo bi, ñoo ngi leen di ñaan ngeen abonner, ngeen activer cloche de notification bi, comme ça da ngeen mëna jot bép vidéo bu ñu duggal. Ngeen aimé, ngeen partagé, ngeen commenté, ngir yalla. Merci. Un détail très important, à chaque fois je mouille ma main avant de prendre les beignets. Cela permettra que les beignets ne collent pas sur ma main et ça va être facile à mettre dans l'huile. Pareil pour la loose que je vais utiliser. Ben détail bon importance. À chaque fois may jël beignet diko duggal ci dolin bi damay toyal sama loxo day tax beignet du coller sama loxo té day yomb duggal ci dolin bi même loose bi may utiliser kudu loose bi tamé dama koy toyal bala may jël pat bi. Donc ici j'ai chauffé l'huile est chaude, j'utilise ma main et voilà, je fais des petits ronds pour former les beignets. Donc dama tangal dolin bu mu tang ma jël sama loxo après ma def beignet. Gis nga fi sama loxo la utiliser waaw, mais da ngeen gis tamit ma utiliser loose, su la nexe tam man ngeen utiliser loose wala kudus fekke da ngeen baña tak, tu vois. Voilà, mais yomb na defar. Gis ngeen nima koy defé damay tek, damay tib ci sama loxo après ma beus melna koy dank afi bi day genn. Voilà, après mu forme ay beñ yu bare, man nga def forme yu bare. Voilà, c'est simple. J'ai juste utilisé ma main ici et j'essaie de faire des bons beignets. Voilà, voilà, il suffit juste de faire comme je fais, quoi. Vous pouvez aussi utiliser une loose, comme je vous ai dit tout à l'heure. Waouh, gis nga ma ngi fatlu ko nak beignet yi bima nekké xalé don jangi école dama nan romba gis ben mère bu ko don jaay beñu sukar la tuddu dafa neex day defal beñe ba pare wisi sukar bi diko jaay. Voilà, et legui nak xam kan momaka jangal, mang koy remercier de passage, sama badjan la, sama yaay la, ami mom momaka jangal, mom mo jangal be d'ailleurs momaka jangal wa keur gi yop to wax deug yalla sunu keur mom kor du jot ndogo jot ba kentu lek beñe ñun ñep beñe nañuy lek bolé kak sunu café ak mew goor ñi ñom sunu amul li ñu jënd croissant mew tax sunu kër bari wulunu jënd sax ay croissant ay mburu yoy li rek mom ñu ndogo dafa neex wa deug yaal ñong koy remercier yalla ko yalla may gudd fa nak wër wa je disais que c'est ma tante amie c'est elle qui m'a appris à faire ces beignets et d'ailleurs elle a appris à toute la famille et pendant le ramadan nous on peut pas couper sans ces beignets d'ailleurs on n'achète pas des croissants on prend ces beignets avec nos cafés avec du café au lait ou le café ou comme on veut, mais on utilise ces beignets. Et quand j'étais jeune, quand je partais à l'école, je croisais une maman qui vendait ces beignets. Ça s'appelle au Sénégal beignet sucre. Elle fait ça, après elle met du sucre dessus et nous on l'achetait, on l'aimait trop, mashallah. Tu peux faire plein de formes de beignets. Parfois, je fais les beignets où c'est un rond et au milieu, il y a un trou. Je vais faire des beignets, rond après digib day am ben trou tu vois ben yoy tamé dafa croustillant dafa neex. Voilà motax man nga def forme ben yoy beure té luma neex ci ben yoy moy soxlawul dépense bu beure soxlawul xaas bu beure yow na nga am farine ak levure rek ak ndox so amé mew ak nan bénéfice la ci waaw soko amul tamit grawul dafa yomb dafa soxlawul dépense bu beure way ce que je disais c'est que ces beignets là ça prend pas beaucoup de dépenses, il suffit juste d'avoir de la farine, de levure, si tu as du lait en plus et des œufs c'est bon, sinon tu peux les faire comme ça et ça prend pas beaucoup de dépenses et c'est rapide machallah et c'est trop bon. Vous avez vu c'est fini les beignets, j'ai juste rangé, là j'ai mis le sucre au dessous et voilà, après ça, ça mange chaud. Moi, je préfère les manger chauds, même si c'est froid, je le mets un peu au micro-ondes et puis je le mange comme ça. Ouais, ben, il paraît, n'a qu'à ranger dans le bagage. Ben, il paraît, le sucre là, def, c'est quoi, on a demandé beaucoup de collègues sur tangé. Sur tangé, c'est la tac. Même si c'est des madame qui est encore tout ce micro-ondes, mon collègue. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, likez, partagez, commentez.
wa ngeen abonné té ngeen aimé vidéo bi té ngeen abonné ngeen partager commenter djadjef merci beaucoup à la prochaine à bientôt merci djadjef assalamu alaykoum wa rahmatoullah